Cormier qui a raté avec Veillette. À la ligne bleue, maintenant, le contact, c'est Pelletier. C'est la montée, remet jusqu'à Boot. Boot traverse à la ligne rouge, tire de loin. Ça revient devant Alexis Schenk. Attention devant le filet. Cormier qui a raté avec Veillette. À la ligne bleue, maintenant, le contact, c'est Pelletier sur Bourgeois. On a entendu les encouragements au banc des sacs des 1. Le tir de Bourgeois, entre-temps, s'arrête le filet. Tire le but! Un drôle de rebond devant le filet. Le tir de Bourgeois qui est revenu derrière Alexis Schenk. Et c'est Xavier Cormier qui a poussé derrière le gardien de but. Et des Cataractes qui prennent les devants. C'est 1-0. Oui, Xavier Cormier a profité d'un rebond chanceux derrière la bande, derrière le but là, d'Alexis Schenk. C'était le premier tir, mine de rien, là, le premier tir officiel des Cataractes aujourd'hui. Après un tir qui a raté la cible à pointe, et c'est ça, Xavier Cormier profite d'un bon favorable. Alexis Schenk n'a pas trop l'air content à la reprise vidéo. Mais ouais, il n'en demeure pas moins là, que Xavier Cormier, quand même été chanceux, a poussé la rondelle, a frappé comme un joueur de baseball. Mais Pépin avec la rondelle. Pépin mettant par le centre, remet sur la gauche jusqu'à Nadeau. Nadeau en territoire ennemi, freine devant Louis Cremieux, devant, beau jeu de passe! Et c'est le but! Maverick Bourque à l'embouchure du filet avait été oublié. Un tic-tac-toe parfait. Et les Cataractes doublent leur avance. C'est maintenant 2-0. Absolument. Peut-être une petite douche d'eau froide là, chez les Saguenayens. Avec quand même connu un départ honnête. Mais là, Maverick Bourque qui en profite pour marquer son premier but cette saison. Est à la recherche de son premier but après deux passes. Complète un tic-tac-toe parfait mené par le premier trio des Cataractes. Et après 5 minutes et demie de jeu, c'est déjà 2-0 pour les Cataractes. Si le premier but avait été chanceux, celui-là, il est totalement mérité. Là, très belle séquence des Cataractes. C'était Ponomarev en couverture sur Boudrian. Et c'est Aude qui vient reprendre en territoire central devant le banc de marqueur. Elle laisse derrière lui à Lapierre. Lapierre jusqu'à Boudrian, à Mercer sur le flanc droit. Il y a Farmer qui est en option. Et Mercer qui a été ralenti par deux chandails blancs. Il y avait Chouinard notamment. Et c'est Boudrian qui s'est porté en attaque de tirer le but! Christophe Farmer oublié devant le filet. Lapierre le retrouve et les Sags vont s'inscrire à la marque. Un but compté en avantage de numérique. C'est 2-1. Oui, Christophe Farmer a joué un excellent match hier. La bougie d'allumage à l'attaque chez les Saguenayens. Et cette fois, c'est Hendrix Lapierre qui a tout vu là, sur la séquence. Ça prenait une bonne vision du jeu pour voir Farmer libéré. Et ce dernier a profité de son bon lancer pour déjouer la vallée du côté des Cataractes. Belle séquence, ça a pris une trentaine de secondes là, seulement à l'avantage numérique. On s'est rapidement installé. C'est la roue glissée jusqu'à Boudrian. Le revirement, la chute de Boudrian. C'est Cormier à désavantage numérique. Il n'a plus à avoir un tir sur Schenk. Et c'est Lapierre maintenant de l'autre côté. Lapierre qui est seul a été rejoint par Boudrian. Remet à la ligne bleue à Mercer. Belle fin dans l'enclave. Le tir, le but! Un deuxième, Christophe Farmer sur l'avantage numérique. Quelle belle pièce de jeu de Dawson Mercer. Et c'est l'égalité, c'est 2-2. Oui, absolument. Honnêtement, là, très, très belle pièce de jeu. Là. C'est du talent brut sur la séquence. Dawson Mercer qui en a fait voir de toutes les couleurs une tasse de café aux joueurs des... c'était le numéro 92 des... C'est Ponomarev. C'est Ponomarev qui a été déculotté là, sur la séquence. Déjoue là, Mercer là, de 22 mètres. À Farmer qui en ajoute un deuxième aujourd'hui. Une grosse fin de semaine productive. Une rondelle qui est libre. Et Ponomarev ne peut la maîtriser avec Bellegarde. Et c'est Ponomarev du revers finalement au point d'appui. C'est Heinz qui va renvoyer tout le monde derrière le filet. Et Ponomarev le premier sur la rondelle. Bonne présence devant. Bel arrêt de Schenk. La déviation de Jérémy Martin. Et Alexis Schenk qui préserve l'égalité. C'est toujours 2 avec Mercer. On s'échange avec Lapierre. Lapierre à Mercer. Le tir, le but! Un troisième sur l'avantage numérique. Dawson Mercer. Et les Sags prennent les devants pour la première fois. C'est 3-2. Un match d'unité spéciale, décidément, pendant que les Cataractes sont incapables de profiter de leur chance en avantage numérique. Eh bien, c'est tout le contraire chez les Saguenayens qui marquent un troisième but en autant d'occasions. Cette fois, Dawson Mercer, la vallée, a été complètement déjouée.
Une passe de Lapierre là, qui était parfaite à Darson Mercer, droitier à droite, qui vient marquer. Alors, chez les Saguenayens, on prend les devants. 3-2, beau jeu, là, soulignons-le, de Carl Boudria, juste avant, qui a empêché la rondelle de sortir de la zone et a permis à l'attaque de se poursuivre. Cormier en attaque, Tommy Cormier rend présence pour lui en deuxième période. Cormier qui se débarrasse de deux joueurs. Le tourniquet revient devant le filet, rondelle qui est libre et tout le monde la cherche. Où est le disque? Il y avait Cormier, Pouliot, Bellegarde, il y avait Empilade de devant le filet. Une bonne présence pour Tommy Cormier. Oui, absolument. On pourrait prendre une photographie là, de la dernière séquence et la rejouer en boucle là, après la période. On s'est dirigé au filet sans se poser de questions. Alors là, la vallée qui a été bon là-dessus quand même. Et Tommy Cormier, au lieu de se diriger à l'extérieur et de peut-être briser le jeu, bien, a coupé directement au filet, a placé cette rondelle devant le but. Et ça a donné quand même une bonne chance de marquer. Là. Et c'est positif parce que c'est le quatrième trio des Saguenayens qui a eu quand même une bonne occasion qui est employée avec Thomas Bellegarde. Et Pouliot qui s'est fait voler également sur la séquence du bout de la jambe. Bellegarde qui vient reprendre. On amène la deuxième vague pour les 4. Un beau travail de Mercer devant Ménard. La break, le tir, on a raté le filet. Et le retour devant Mercer n'a pu rien. Venez chercher la rondelle, il y a eu un contact devant le filet. Ménard, Lavallée et Mercer. Ça a ouvert le jeu de l'autre côté, le but! Maverick Bourque, son deuxième du match. Un but compté en avantage numérique. Et l'écart est maintenant réduit, c'est l'égalité, c'est 3-3. Oui, c'est malheureux pour les Saguenayens qui avaient effectué du bon travail lors de cette première minute et demie du désavantage numérique, notamment là, par le travail de Dawson Mercer et de Henrik Lapierre précédemment. Mais là, on a laissé de l'espace à Maverick Bourque, qui était sans but depuis le début de la saison, avant d'arriver ici à Chicoutimi aujourd'hui. Et bien, il enfile son deuxième de la journée. Alors, on est de retour à la case départ. Et enfin, l'avantage numérique des Cataractes, pour une première fois aujourd'hui, produit. Bourque, belle feinte devant le jeune défenseur. Et Pelletier, le tir de loin, ça touche à la mitaine de la vallée, ça va tomber à l'embouchure du filet. Et Mathéo Mène, une rare présence pour lui en troisième. Le tic, l'arrêt de Lavallée devant Dawson Mercer. Et la séquence se poursuit en attaque. Mathéo Mène s'avance, le tir dans la mitaine de Lavallée. C'est Alexis Schenk qui s'est illustré en deuxième. Voilà que Lavallée s'illustre en début de troisième. Oui, absolument, Mathieu. Là, Dawson Mercer qui aimerait certainement revoir cette chance en or et Charles-Antoine Lavallée qui a effectué un déplacement un peu désespéré mais a stoppé la rondelle avec son épaule et le jeu s'est un petit peu plus arrivé. Cette rencontre, l'égalité qui persiste, c'est 3-3, avantage numérique pour les Cataractes. La longue passe de Nadeau jusqu'à Bourgault, le tir, le but! Xavier Bourgault en avantage numérique et voilà que les Cataractes vont reprendre les devants, c'est 4-3. Bon lancé de Xavier Bourgault côté bloqueur qui a semblé surprendre Alexis Chang. Xavier Bourgault a juste assez patienté avant de diriger son lancé. Et ça a déjoué Alexis Chang, Michael Pellerin qui a servi d'écran là, à se lancer. Alors finalement, là, l'avantage numérique là, qui produit chez les Cataractes un deuxième en avantage numérique dans cette période. Pour Shawinigan qui prend les devants, ça n'a pas été long, à peine une vingtaine de secondes à l'avantage numérique là, pour que Shawinigan profite de cette chance. Il n'y a plus de gardien pour Chicoutimi, Alexis Schenk au banc. Oh. Et la chute de Fredette, ça ouvre le jeu pour Charles Beaudoin. Et le tir de Beaudoin qui vient concrétiser la victoire de son équipe. Un but compté dans un filet désert et c'est maintenant 5-3 la marque. Oui, Vincent Fredette là, a appris à la dure là-dessus. À la ligne bleue, a trébuché, a empêché, n'a pu empêcher la rondelle de sortir. Et en plus, a perdu pied. Alors, whoop-a-lay, comme on dit. Vincent Fredette, qui, à sa première année, là, junior majeur, c'est une bonne leçon. En même temps, on s'en veut. Il est au banc, la tête un peu basse, mais ça fait partie de l'apprentissage. Il était quand même employé dans une situation importante en fin de match.